Julie Gayet et François Hollande cultivent la discrétion depuis le début de leur idylle. Pourtant, ce vendredi 3 février, l'ancien président de la République a partagé sur son compte Instagram un très rare cliché où il s'affiche main dans la main avec son épouse. François Hollande et Julie Gayet vivent leur idylle en toute discrétion. Leur relation avait pourtant été dévoilée au grand jour de manière plutôt brutale. Les révélations sur les sorties nocturnes du président de la République de l'époque en scooter avaient entraîné sa rupture fracassante avec la journaliste Valérie Trier-Weiler. Des années plus tard, l'ex-président et la comédienne se sont mariés, en juin dernier, à l'abri des paparazzi à l'hôtel de ville de Tulle. Seuls quelques intimes avaient eu le privilège d'assister à la cérémonie et notamment Thomas Hollande et sa compagne Émilie Broussoulou. Il n'y avait personne, on a fait ça très discrètement, avait confié l'actrice. Avant d'ajouter, on a fait ça bien. Si est-il bien d'être tranquille. Les internautes touchés par ce cliché en amoureux, l'ancien président de la République a pourtant fait exception à la règle, ce vendredi 3 février, en dévoilant sur son compte Instagram une très rare photo de lui en noir et blanc, de dos, main dans la main avec Julie Gayet. Il a sobrement légendé sa publication, Londres, 28 janvier 2023. Il a aussi posté des photos de la séance de dédicace de son ouvrage dans la capitale britannique et des badauds amassés devant la librairie. Ce tendre cliché a touché les internautes, visiblement ravis de voir François Hollande et Julie Gayet toujours aussi amoureux. Magnifique, allez l'amour, admirable, heureux notre président, beau couple, pouvait-on notamment lire parmi les commentaires. Julie Gayet et François Hollande se sont essayés ensemble au cinéma depuis la fin du quinquennat de François Hollande, l'ancien président et sa compagne ont partagé plusieurs projets inattendus ensemble. Le prédécesseur d'Emmanuel Macron s'est ainsi essayé au cinéma en compagnie de Julie Gayet pour prêter sa voix au long métrage d'animation Silex and the City. De son côté, Julie Gayet avait confié sur le plateau de Télématin à avoir fait un cadeau très particulier à son compagnon. Grâce à son ami Benjamin Biolay, celle qui a fait du chant lyrique par le passé a enregistré une chanson pour son amoureux. Je vais dans un studio avec lui, et à un moment donné il me dit « Est-ce que tu aimerais enregistrer quelque chose ?» Je lui réponds « Ça serait que pour une personne, si est-il possible ?» Rire, Benjamin l'a mis dans un petit coffre et ça ne sortira jamais, avait-elle expliqué. Le chanteur était d'ailleurs présent au mariage de François Hollande et Julie Gayet. Viewsis post ton Instagram à post shared by François Hollande @Hollande, à lire aussi Julie Gayet et François Hollande mariés, comment ils ont réussi à cacher leur mariage aux médias.